amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes vendredi. Oui, vendredi, pas samedi. Nous sommes vendredi, on est le 20 juillet et il est 9h30 et je m'apprête comme tous les matins. Dans la salle de bain et de bonne humeur, j'essaie d'oublier qu'hier au dîner, j'étais tout en pleurs. Je vais attaquer le ménage et aujourd'hui ça va être gros ménage parce que du coup on n'est pas là ce week-end. Et je veux que tout soit nickel quand ma mère va venir pour garder la maison. Du coup, je dois faire toute cette partie-là, mais toute la partie chambre aussi. Et après, on va aller chez Sarah. Et après, on va aller chez Sarah. Et après, on va voir Déji. Et après, on va voir Déji. Notre valise, on va amener notre maillot. Cet après-midi, valise, il faut tout prendre, rien oublier surtout, très moi, important. Bon. En fin de journée, il faut laver les cheveux, faut. Voilà, il y a vraiment. Ça va être une big journée aujourd'hui. Elle est trop contente! Elle est trop contente parce qu'elle va avoir des gilles. Donc voilà, comme les filles viennent de vous le dire, comment dire, joyeusement, en fait, on a vu hier, parce que je suis DJ depuis. Des années maintenant, presque le début quasiment. Et c'est une personne que j'aime, que j'adore. Elle est tellement pleine de peps, drôle, naturelle, tout ce qu'on aime, quoi. Franchement, c'est obligé que les gens l'aiment. D'ailleurs, vous devez vous aussi la connaître, je pense. Si vous la connaissez pas, on vous remet sa chaîne là-haut, bien évidemment. Et donc, du coup, hier, je fais un tour sur YouTube un petit peu et tout. Et je vois qu'elle avait mis un message. Sur YouTube, parce qu'on peut mettre des messages. D'ailleurs, je sais même pas comment on fait pour faire ça. Faudrait qu'elle m'explique. Et je vois qu'elle dit bah, qu'il n'y a pas de vidéo depuis un petit moment, mais parce qu'ils sont en vacances et qu'elle profite, etc. Donc, ce qui est tout à fait normal, bien évidemment. Et je vois qu'elle marque je vous laisse, les cigales m'appellent. Quand j'ai vu marquer le mot cigale, je me suis dit ouais, cigale égale sud. Mais d'accord. Donc, ni une ni deux, je les appelle sur Snapchat. Les copains, vous savez qu'on a une petite guêpe qui est venue, qui est morte sur non, le groupe de papa. Une cigale. Une cigale, c'est pas une. Une cigale. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'était du chocolat. Non, non, elle s'est griffée dessous. Par contre, sur la bouche, c'est du chocolat. Hein. Donc, tu peux aller nettoyer ta bouche, ce sera bien. Je vous disais donc que de suite, du coup, ni une ni deux, je les appelle sur Snapchat. Parce que de temps en temps, je discute avec elle sur Snapchat. Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Comme Mad Jenny, quoi. Franchement, elle deux, c'est. C'est mes deux youtubeuses préférées. Et bref. Je la zappe et elle me dit, j'ai dit mais tu es dans le sud, elle me dit non on est en Ardèche. Et là je me dis, mais je lui dis on y va ce week-end en Ardèche parce qu'il y a l'anniversaire de ma filleule, donc on y va demain, voilà, passer la journée entière là-bas. On dort là-bas, on plante la tente là-bas pour pas repartir de nuit, être fatiguée, d'avoir bringué, machin et tout. Même si je bois pas d'alcool, après je me sens pas de faire la route pendant 1h30, voilà, la fatigue. En plus la nuit je vois pas super bien, je vais avoir mal déjà partout. Donc voilà, je voulais, donc on dort là-bas et après on serait reparti dimanche dans la matinée tranquillement, une fois qu'on était bien réveillé et tout. Et du coup, j'ai dit, mais je vais regarder comment s'appelle le guide Michelin là, combien il y a de temps qui nous sépare, elle, de nous. Donc je lui demande où elle est exactement, elle me le dit, et je regarde, il y a quoi, 30 minutes de route qui nous sépare. Et alors là, c'est le mode hystérie enclenché. Pendant toute la nuit, j'étais en train de sauter dans tous les sens. J'ai dit, non, il faut trop qu'on se voit, il faut qu'on se fasse quelque chose, faut trop qu'on se voit. Parce qu'en plus, elle regarde nos vidéos, ma Déji. Du coup, bah écoutez, on s'organise et normalement, dimanche, bah, on passe la journée avec ma Déji. Voilà, donc je vous explique même pas à quel point je suis surexcitée. Ah, donc on va voir comment on s'organise, qu'est-ce qu'on va faire exactement, etc. Parce que déjà, j'étais surexcitée d'aller voir ma princesse, voir ma flo et tout. Et alors là, là, Déji, c'est coup double quoi. Maman ? Oui ? Il y a le chat qui veut rentrer dans tes jouets. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais, Boucan ? Boucan ? Tu fais quoi là ? Tu veux jouer au Playmobil ou comment ça se passe ? Bon allez, cette fois-ci c'est bon, je le dis plus. J'attaque le ménage parce qu'après mine de rien, il y a des valises à faire, le linge, la bouffe. Et les papinous ! La joie de la vie à la maison. Bon voilà, on est rendu à 15h passées. Et du coup, les loulous sont partis un petit peu. Ils naviguent entre le spa, la piscine, le spa, la piscine. Je veux qu'ils se calent de bonheur parce que demain, on se réveille de bonheur pour partir.
le temps de voilà tout charger dans la voiture, tout préparer, etc. Qu'on ait le temps de faire les lits et tout avant de partir. On va se lever bonne heure, comme ça on a bien le temps de faire tout ça, puis on sera parti au moins un petit peu plus à la fraîche, même si on a retrouvé la clim dans la voiture. Au moins on part à la fraîche, on sera tranquille. De toute façon, il faut qu'on soit là-bas pour midi, il y a 1h30 de route à peu près. Donc si on peut s'arrêter à des petits endroits voilà, sur l'allée pour visiter un petit peu, regarder un petit peu, bah écoutez, c'est ce qu'on fera. Du coup, moi là, je me suis calée un petit peu, j'ai un coup de pompe phénoménal, j'ai fini le ménage, il était 1h15, un truc comme ça. Mais au moins voilà, il y a tout qui est fait. Là, juste après, je vais aller récupérer le linge qui est là-bas et étendre celui qui vient de finir de tourner. Comme ça, au moins on part, il y a zéro linge à faire. Donc ça c'est cool, voilà, comme ça au moins quand on arrivera, quand on reviendra du week-end, on pourra tout mettre à laver, il n'y aura pas de voilà, 3 tonnes de linge à faire. J'étais en train de monter aussi le vlog que vous aurez vu avant-hier, enfin vous aurez vu exactement, on est quel jour, vendredi soir, je sais même plus quel jour on est. Sinon, je voulais vous dire aussi que ça y est, c'est planifié, c'est sûr, c'est certain, on va avoir des J dimanche, donc du coup on va passer la journée avec eux sur leur lieu où ils sont en vacances. On va se régaler, j'ai tellement hâte, mais tellement hâte de la rencontrer en vrai. Parce que voilà, je suis sûre qu'elle est exactement comme je l'imagine. Et du coup, ben, on partagera ça avec vous, bien évidemment. Je lui ai demandé l'autorisation. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Il y avait juste une copine à sa fille qui est là. Donc, il faudra éviter de la filmer elle. Mais bon, voilà, tant que je le sais, après ça, c'est pas de souci. Bon, allez, je vais aller faire mon linge. Enfin, je vais finir de monter le vlog. Et pendant, comme ça, pendant qu'il est en train de s'exporter sur Internet, sur YouTube, je vais m'occuper du linge, etc. Après, il faut que j'attaque les valises. Il faut que je lave les cheveux des filles. Et puis on essaiera de se caler un petit peu bonheur parce que c'est vrai qu'on se couche assez tard en ce moment. Et le matin quand on se réveille ça pique un peu le réveil. Donc on va essayer de se reposer correctement au moins ce soir pour pouvoir être en forme pour tout le week-end et puis voilà. Bon allez, c'est parti, on se met. Je suis au bout de ma vie. Je viens d'aller étendre le linge, enfin dépendre le linge qu'il y avait, je l'ai plié. Je suis allée étendre l'autre, etc. Je suis noyé, ça coule sous la robe, ça coule là, je le sens entre mon ventre, sur mon ventre et tout, c'est un truc de malade. Il fait une chaleur incroyable, incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu veux dire quoi? Couper mon doudou dans le spa parce que les fessées sont le croquer. Ouais. Et ensuite, je l'ai mouillé. Elle vous disait donc qu'elle a jeté son doudou dans le spa. Donc il est crampé, donc il est en train de sécher sur le truc. Je vous jure, celle-là. C'est un boucan. Moi, je vous disais donc que voilà, je venais de faire le linge. Donc, je vais aller ranger ce que je viens de plier là-dedans. Voilà. Et je vais aller attaquer les valises. Parce qu'il est déjà 4h30. Donc, je vais m'activer à faire les valises. Comme ça, on boucle tout ça. J'aurais plus que la douche à Maïs à prendre et laver la tête à Allison. Charlie s'est déjà lavé la tête. Myron est déjà partie à la douche aussi. Donc, ça va. Parce que sincèrement, j'aurais juste de la douche. Parce que là, j'ai plus de bras. Je suis au bout de ma vie, regardez-moi cette tête de déterré, c'est un truc de malade. Bon, Maïlis a les cheveux lavés, Alison a les cheveux lavés, Charlie a les cheveux lavés, tout le monde a les cheveux lavés, sauf moi, je me les laverai ce soir, bien évidemment. Et du coup, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Pas grand-chose. Là, mon homme m'a dit qu'il allait essayer de finir plus bonne heure. Il doit passer à Super U, récupérer brassard pour Myron, etc. Les chaussures. Les claquettes pour les filles parce qu'elles se sont fait exploser les leurs par les chiens. Génial. Donc il va aller passer à Super U pour récupérer ça, pour acheter ça. Et puis bah, il se rentrera tout doucement. Il a fait les niveaux de la voiture et tout à midi, donc pour ça on est tranquille. Il n'y aura plus que mettre lui ce qu'il a, voilà, ce qu'il a besoin dans la valise. Et demain matin, à la dernière minute, on mettra les brosses à dents, le gel douche, le machin, le nani, nana. Et puis voilà, les valises sont donc prêtes. Je viens d'avoir ma petite DJ qui m'a dit surtout n'oublie pas les maillots de bain. T'inquiète, ma DJ, on les oublie pas. De toute façon, on doit les avoir pour demain aussi au cas où. Apparemment, par contre, ils annoncent pas un super temps. Donc je suis un petit peu au bout de ma vie. Apparemment, ils annoncent de la pluie.
Demain? Oui. Ou dimanche? Et un peu les deux. Par averse. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. On verra bien. Ce sera la surprise. Je vais. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de réfléchir à des scoops. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais même plus ce que je dois faire. Je dois faire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Je vais regarder la météo de nouveau, voir si ça n'a pas changé entre temps. Croisage de doigts intensif. Et je vais aller voir si le linge que j'ai mis tout à l'heure, il est sec ou pas. Voilà, comme ça, moi, j'irai chercher le maximum. Parce qu'ils annoncent carrément des orages pour cette nuit. Donc, il faut que je rentre le linge ce soir avant que ça drache, quoi. Voilà, voilà. Mon petit homme est rentré plus tôt que prévu, tant même si on vous reprend et qu'il est 19h30. C'est un truc de fou. Et là, tu tires derrière. Il fait une chaleur. Et là, le roux est phénoménal. Mais là, tu tires derrière. Charlie, elle est en train d'essayer les chaussures de rivière. Galère, elles sont pas mouillées, rien, c'est elle est en train de galérer pour pouvoir les enfiler. Voilà. Alléluia. Là, ton pied va se caler après, elles vont s'élargir. Ça sert. En tout cas, devant, en longueur, c'est bon. Ça sert, mais après, quand ils vont être mouillés, après, ça va se... Casse-toi de là. Ça va se détendre. C'est mieux les claquettes? Quoi? C'est mieux les claquettes? Ouais. Et les autres là, c'était à qui tout cela là? Ben Myron et. C'est ça, Myron. Ouf, Myron, c'est pareil, ça va plus aller. Ouais. Mais du 35. Va. Il met du 35, mon âge. Ça, c'est du 37. Ça pour Alison. À Myron, ça va pas lui aller. Hein. J'en suis sûre. Bon, du coup, tout le monde a laissé ses petites chaussures pour aller dans l'eau. Et c'est bon, ça va à tout le monde. Donc, c'est parfait. On aura les petites chaussures si on va aller marcher dans la rivière. Non, mais ça y est, elle en peut plus, elle. Je crois qu'on va les perdre. Avant dimanche, on va les perdre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez qu'on a acheté des chaussons pour moi pour aller dans la flaque. Dans la flaque? C'est des chaussures exprès pour aller dans la rivière, mon chat. Oui, parce que c'est des chaussures petites. On peut les mouiller. Petites, qu'on mouille. Et qu'on mouille nos pieds. Et oui. Et du coup, on peut marcher sans que ça nous fasse bobo, les cailloux et tout dans l'eau. Et ensuite. Ensuite, on va aller promener dans l'eau. Et ensuite, il a des yeux sur mes chaussons. Il y a des yeux sur tes chaussons. C'est pas des chaussons, c'est des chaussures pour aller dans l'eau. Tu me fais dire des bêtises. Des yeux. Des yeux. De moi. Des yeux de toi. Donc voilà, ça se prépare tout doucement. Mon homme est en train de commencer à charger la voiture de ce qu'on peut charger. Du coup, ben là, il est 7h30, 8h moins le quart, un truc comme ça, je crois. Attendez, je regarde. Ouais, il est 8h moins le quart. Ouh, s'il te plaît, petit jour, peux-tu venir? Merci. Du coup, il est 8h moins le quart. Je vais faire manger les loulous. Ça va être vite fait. Salade piémontaise, jambon, etc. Parce qu'il fait chaud, parce que j'ai eu la flemme et que j'ai pas arrêté toute la journée et que j'avais franchement la flemme de faire à manger. Vraiment. Malise a bien rangé ses jouets parce qu'il y en a clairement partout. Voilà, regardez-moi ça. Il y en a partout là, il y en a partout là-bas. Bref, elle va venir ranger. Bon, allez, du coup, j'ai fini de mettre aussi le vlog que vous aurez vu hier en ligne. Elle va me faire tomber, je le sens bien. Je sais pas si j'aurai le temps de vous mettre par contre. Le retour de course pour ce week-end. Je suis absolument pas sûre parce qu'il faut encore que je le monte et qu'il se mette sur YouTube et c'est très très long la connexion ici. Et comme demain matin on part de bonne heure, je pense pas que j'aurai le temps de vous le mettre. Voilà, je sais pas. Je vais essayer de le monter ce soir. Je verrai si demain matin j'ai le temps de le planifier vite fait ou quoi. Mais je ne suis absolument pas sûre du tout. Donc là, au pire des cas, vous l'aurez quand on reviendra lundi, c'est pas grave. J'ai pas eu le temps de faire ma routine soin non plus, ça je vous l'ai dit dans le vlog d'hier, il me semble. Donc voilà. Bon bref, du coup on va clôturer le vlog, je vais les faire manger, après je vais aller à la douche, voilà, il faut que je me lave la tête, etc. Et puis ben demain, c'est le départ à 10h. Voilà. Alors à demain, ciao ciao.